Alors, c'est notre troisième rendez-vous de fraternité aujourd'hui. Alors, mes amis, d'abord, que de bons échos de ces fraternités. On nous dit un moment de grâce, on nous dit vivement dimanche ou la semaine prochaine, en tout cas, être ensemble dans la lumière de l'Esprit-Saint pour écouter Jésus nous parler, pour nous soutenir mutuellement. Voilà vraiment le souhait que nous avions de ces fraternités, ça se réalise. D'ailleurs, les premiers chrétiens se réunissaient aussi dans leur maison. Cette expérience est la nôtre aujourd'hui, et comme je désire que soient nombreux ceux et celles qui pourront prochainement aussi vivre ces moments de vie spirituelle intense et d'amitié. Alors, à la fin de ce moment, ce jour, vous serez conviés au fond à exprimer un petit peu ce que vous souhaiteriez faire au-delà de ces rencontres. Sachez que d'ores et déjà, nous envisageons donc de recommencer cela, de reproduire cela pour le carême. Alors, cette troisième rencontre nous offre la joie de regarder la Vierge Marie et de vivre avec elle l'accueil d'un envoyé de Dieu qui est l'ange Gabriel. Alors, ça sera l'évangile dominical prochain, donc dimanche prochain. Alors, l'apôtre Saint-Luc en a fait le récit. Sûrement, il a connu Marie alors que celle-ci est âgée. Et on peut vraiment se fier à ce récit parce que, comme il dit, Marie retenait toutes ces choses dans son cœur. Donc il a vu une femme sûrement qui avait mémorisé, gardé précieusement tout cela. Et l'ange qui vient la voir, il parle au nom de Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne le message, mais c'est l'ange qui le verbalise pour l'homme. Et en fait, c'est Dieu lui-même qui parle à Marie. Alors, dans la Bible, il y a souvent une sorte de confusion entre la présence de Dieu et la venue d'un ange. Les anges sont d'ailleurs totalement dévoués à Dieu. Alors l'ange annonce que Dieu va agir en elle par l'Esprit-Saint. Et de fait, l'Esprit couvre Marie de son ombre. Cela rappelle la nuée lumineuse qui couvrait la tente de la rencontre au désert. Là, Moïse pouvait parler à Dieu en présence de l'Arche de l'Alliance qui contenait les tables de pierre, mais tables de pierre gravées par Dieu lui-même où il donnait ses commandements. Et Marie, elle devient ainsi la nouvelle arche d'alliance. Elle porte en son sein celui qui est la parole de Dieu. Et cette demande de l'ange, bien sûr, bouleverse la vie de cette jeune fille. Elle acquiesce pleinement à cet appel, donc à sa vocation. Tout est inconnu pour elle, mais elle aime et sert Dieu sans aucune retenue. Et nous aussi, si nous laissons faire, nous sommes renouvelés par l'Esprit. La vie spirituelle, c'est l'acquisition de l'Esprit-Saint, disait le grand saint Séraphin de Sarov. Et cette scène est curieusement comme une supplication de Dieu, adressée à Marie. Dieu se penche vers Marie, se fait proche pour lui demander d'accueillir sa demande. Certes, Marie est une enfant d'Israël qui obéit à Dieu, comme son peuple lui a enseigné. Mais le temps de sa maturité venue, alors à l'époque, il faut se rendre compte qu'on était quasiment adulte à 12-13 ans, Marie fait sien vraiment les psaumes. Je pensais à un psaume particulièrement, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. » Ce psaume dit vraiment l'attente du cœur de l'âme désireuse d'être tout à son Seigneur, et dont son cœur se tourne dès le réveil vers le bien-aimé. D'ailleurs, la tradition ne dit-elle pas que fiancée par le choix de ses parents, Marie voulait totalement se consacrer à Dieu. Est-elle contrainte d'obéir, pourrait-on se demander doit-elle impérativement acquiescer à la demande de l'ange? Aujourd'hui, on dirait, est-elle liée à un quelconque karma obligeant? Eh bien, sur ce point, soyons affirmatifs, non, Marie peut choisir. Elle choisit librement, non sans aimablement demander comment cela se fera, puisqu'elle est vierge, elle ne connaît pas d'homme, ce qui signifie qu'elle n'a pas de rapport physique avec un homme. Aucune femme de son peuple n'a jamais eu un enfant ainsi. Cependant, voilà que son être entier désire faire la volonté de Dieu.
qu'il me soit fait selon ta parole, dit-elle à l'ange. C'est un oui entier, on dit un fiat, sans retour ni crainte. Elle fera ce que Dieu désire d'elle. Elle sera la mère de cet enfant que l'ange présente comme déjà le fils du Très-Haut. Il sera appelé saint, il sera sauveur d'Israël. Les mots d'ailleurs « salut » et « sauveur », même s'ils sont communs en français, évoquent aussi une réalité assez mystérieuse. De quoi Jésus va-t-il nous sauver ? On pourrait se demander. Eh bien, dans le désert, le peuple avait gravement péché. Hein. Il avait maugré, il avait douté de Dieu. Et Dieu envoie des serpents brûlants qui vont tuer même des personnes. Alors Moïse supplie Dieu et Dieu lui dit d'élever un serpent d'airain, un serpent en bronze, que tous pourront regarder et ainsi le regardant, dans un acte de foi en Dieu, eh bien, ils seront sauvés de ces serpents. Eh bien, c'est bien du péché qui conduit à la mort que Dieu veut nous sauver. Hein. Quelle tristesse que le péché, que de mal, que de souffrance due au péché. Hein. Nos cœurs en sont parfois affectés et alors se referment. Mais le salut offert par Jésus nous délivre. Dorénavant, c'est en regardant Jésus sur la croix, non plus le serpent d'airain, mais vraiment Jésus en croix, hein, victorieux de la mort par la résurrection, que nous sommes sauvés. Mais, bien entendu, il faut le désirer et nous retourner vers Jésus. Hein. Le mot « conversion » ne veut-il d'ailleurs pas dire « se retourner hein. » Pensez au ski, par exemple. Hein, quand vous tentez un demi-tour sur une piste enneigée et qu'il vous fallait faire une conversion. Hein. Moi, j'ai quelques souvenirs assez épiques, de belles chutes d'ailleurs, mais finalement, on finit par réussir sa conversion. Hein, c'est pareil dans la vie spirituelle. Ayez beaucoup de patience avec vous-même et d'espérance. Bien, la Vierge Marie, elle était présente à la croix, elle se tenait là seule, ou presque, alors que tous les disciples s'étaient enfuis. Hein. Elle gardait la foi et l'espérance, vivante dans son âme meurtrie, mais elle résumait à elle seule l'Église présente auprès de celui qui souffre et qui offre tout. Eh bien aujourd'hui, donnée comme mère à tout homme, elle est présente quand nous vivons des épreuves et des souffrances. Alors voilà, comme à chaque fois, j'aimerais vous laisser sur deux questions pour votre partage maintenant. D'abord, nous avons plusieurs expressions dans ce texte pour parler de Jésus. Sauveur, fils du Très-Haut, il aura le trône de David, il sera saint. Donc ma question est la suivante. Hein. Qui est Jésus pour moi ? Qui est Jésus pour moi ? Et puis ensuite, en regardant la Vierge Marie, qui accueille l'appel de l'ange Gabriel, qui écoute Dieu quotidiennement, on peut se demander, ai-je personnellement entendu un appel de Dieu ? Et du coup, comment cela s'est passé ? Cela a-t-il bouleversé ma vie ? Pour conclure maintenant, j'espère que ces fraternités vous donnent de la joie et vous font avancer vers Noël. Je vous souhaite un bon partage. Hein, ce jour vous sera proposé de dire comment vous voulez continuer au-delà de Noël. Et d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous pour nos messes de Noël. Si vous deviez partir au loin en famille, par exemple, eh bien, soyons unis par la prière et par le cœur, en continuant notamment à nous porter les uns par les autres dans la prière chaque jour. Hein, donc vous emmènerez avec vous les noms des participants de votre groupe et ainsi nous serons vraiment unis. Je vous souhaite de tout cœur une très belle soirée avec la Vierge Marie. Bonne soirée.